Perrin-Lin. Alors, moi, c'est Yves Roderson pour la 20e édition du Salon du Livre. Bon, je vis aujourd'hui à Pékin, mais voilà, je suis un Raromatei et j'écris à mes heures perdues et j'en ai beaucoup. Donc, le roi absent, c'est 33 ans de la vie d'un jeune Polynésien qui est né aux Marquises et qui est muet. Et en parallèle de sa vie à lui, il y a à peu près 7 siècles de la vie des ancêtres qui l'ont précédé. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans. J'étais en seconde à Outourois. Et mon grand-père était quelqu'un qui connaissait toutes les légendes, tous les toponymes polynésiens. Il me racontait des histoires. Moi, 20 ans, c'est la France, c'est Paris, c'est les études, voilà. C'est ça, 20 ans, la fête. Pour ceux qui ne connaissent pas Sioran, ce n'est pas la lecture la plus joyeuse qui soit, mais c'est quelque chose qu'il faut lire. Il faut lire « Mutisme », il faut lire « Dites-nous les arbres » de Alec Attah, il faut lire les livres de Harry Lowe, les livres de Chantal Spitz, il faut lire, quoi. C'est un véritable ami, un livre. Il faut rentrer dans les livres avec passion, avec délectation et sans crainte. Il faut venir rencontrer les éditeurs, qui sont aussi des gens très sympas, qu'il faut découvrir. Ce ne sont pas des marchands de savonnettes, ce sont des amoureux de la littérature. Et vraiment, il faut venir au Salon du Livre, cette 20e édition. Ce sont 20 ans, ça se fête.